blessures qui nous font mal, pour remplir ce grand vide intérieur, pour ne plus souffrir ni avoir peur. Mais plus l'on mange, plus notre corps se venge. Plus l'on boit, plus notre cœur se noie. Notre chagrin ne disparaît pas. Alors ce mal-être en nous, qui l'arrachera? Maintenant, debout, il est temps de prendre soin de toi. Reconnaître ton état est déjà le premier pas. Appelle Jésus à l'aide, il t'écoutera. Il saura te conseiller et guider tes pas. Si tu le laisses agir, il aplanira tes voies. Maintenant, lâche prise, ne le combat pas. Entends sa voix et reconnais-la. Il envoie le Saint-Esprit pour te consoler. Et ce dernier dans son armée veut t'enrôler. C'est pourquoi chaque jour, il faudra t'équiper. Oui, ce temple qui est en toi, il veut y habiter. Mais tu es perdu, tu ne te reconnais pas. Viens donc à Jésus, il te transformera. Ouvre-lui ton cœur, mets-toi à nu, car il est là. Oui, il est là pour te guérir, ne le rejette pas. Alors debout, vaillant soldat du roi des rois. Tu as peut-être été trahi, critiqué, humilié ou bien même abandonné. Tu as peut-être été battu, harcelé, abusé, voire même violé. Et jusqu'ici, tu te sentais traumatisé, car ton esprit ne cessait de te torturer. Cependant, Jésus vient te chercher tel que tu es. En effet, tes joies et tes peines, il les connaît. Désormais, toutes les choses anciennes sont passées. Il fait de toi une créature belle et renouvelée. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je m'adresse à toi, mais je parle aussi pour moi. Alors debout, vaillant soldat du roi des rois. Mange sainement, fais du sport et entraîne-toi. Dors suffisamment, médite la parole et repose-toi. Maîtrise-toi émotionnellement et prépare-toi. Nourris-toi spirituellement et arme-toi du casque du salut et du bouclier de la foi afin de courir vers le but et de gagner ce combat. Mais surtout, n'oublie pas que si tu refuses de prendre soin de toi, personne ne pourra vraiment le faire pour toi. Car si Jésus est avec toi, à part toi-même, qui sera contre toi?